Bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Mandorlé. Je suis très contente de vous retrouver pour continuer ensemble le junk journal sur le thème de la mer. Donc vous voyez là, j'ai commencé à poser des petites choses juste histoire de voir ce qu'on allait bricoler ensemble. Alors je ne vais rien vous cacher, on est toujours le samedi 25 juin. Je viens de faire la vidéo de 2 heures et puis je viens de la télécharger. Pour que ça me prenne un petit peu de moins de place dans mon téléphone, sinon 2 heures de vidéo, oui, ça prend de la place mine de rien. Et puis j'ai bricolé 2-3 trucs à la maison en attendant. Et maintenant, ce que je vous propose, c'est de continuer la déco. Et là, notamment, on va se fixer un petit peu sur la couverture là pour l'instant. Et puis on attaquera l'intérieur après, quand déjà l'extérieur sera déjà bien entamé, bien tout mignon. Oh, il y a un truc de la colle qui s'est collé sur ma plaque en verre. Zout, 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 zout. Ok, bon, allez. Ça, c'est autre chose. J'ai rangé aussi. Oh, parce que, dites donc, une vache n'y aurait pas retrouvé son petit veau. Pour la tranche, je vous parlais tout à l'heure de la tranche que j'avais dans l'idée quand même de masquer la couture, la reliure. Et puis, en fouinant, je ne peux pas m'en empêcher, je suis retournée un petit peu sur ma membrane parce que j'ai fait des essais avec des dentelles. Les dentelles, bon, voilà, ce n'était pas forcément ce que je voulais, en tout cas, de ce que j'avais envisagé. Et je me suis dit que la membrane, mine de rien, sur la couverture, ça pourrait peut-être le faire. Ça pourrait peut-être le faire parce que dans l'esprit, nature, mer, piop-piop, Et quand même bananier, mer, soleil, la liste est encore longue. et je me suis dit que coller voilà la membrane ici sur le côté, ma foi, ça pourrait le faire. Voilà, je vais essayer de la coller comme ça, même si elle n'est pas tout à fait droite. Alors peut-être je peux la diminuer un tout petit pet ici, là, peut-être un petit peu sur le bord, essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus droit, mais je vais la diminuer un tout petit peu, sensiblement. Voilà. Alors, je pense que je vais choisir ce côté-là. Voilà. Et puis, je vais le coller, hein, je pense, à la colle chaude, tout simplement. Tiens, c'est ça que j'ai pas fait. Le coller à la colle chaude. Je pense que c'est ce qui tiendra le mieux. Je pense que c'est ce qui tiendra le mieux, ouais. Ouais, ouais. J'ai pas mis mon pistolet à colle chaude en route. Je suis un peu bête, moi, parce que si ça se trouve, en plus, il va pas être... Ça fait un moment que j'ai pas scrappé. Oh, si ça se trouve, il va pas faire la durée. Oh, yon, 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 yon. Sinon, de toute façon, ce que je vais utiliser, si j'utilise pas le pistolet de colle chaude, je vais utiliser de la colle néoprène. L'un ou l'autre. Là ou l'autre. Je vais voir. Ce qu'il y a, c'est que la colle néoprène. Le problème, c'est que pour la fixer. Voilà. On va essayer la colle chaude. Si la colle chaude me laisse tomber. Par contre, ici, avant toute chose, je vais peut-être prendre ma mesure. Ce serait peut-être fin, ça. Qu'est-ce que t'en penses, Agnès? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai perdu Moutmout, moi, dans la bataille. Il est là? Ah oui, il est là. Il est planqué là. Hop! Voilà, je vais me faire juste une petite marque. Voilà. Et on va couper. Voilà. Allez. On va se tenter ça comme ça. Alors... ici, je suis bien. Ah, je suis un petit peu haute. Oh, j'ai peur que la colle chaude... J'ai peur que ma colle chaude me... Non, je ne vais pas utiliser la colle chaude. Je vais utiliser de la néoprène. Voilà. Ça, c'est la néoprène. C'est la colle par excellence des cordonniers. Hein. Alors, mis à part l'odeur... alors, c'est pas que c'est désagréable, parce que moi, j'adore cette odeur. Et j'en profite que la fenêtre soit ouverte.
Voilà. Mais ça, avec la colle néoprène, logiquement, je ne vais pas avoir de surprise. Ça, je l'utilise vraiment pour les collages forts, extra forts. Pour être garantie de la tenue. Voilà. Je vais même ouvrir un... Ah non, non, elle n'est pas faite. Je croyais qu'elle était ouverte, ma fenêtre. Bon, j'ai dû la refermer sans même m'en apercevoir. Donc là, je peux la laisser sécher un tout petit peu. Comme ça, un tout petit pet. C'est pas dérangeant, bien au contraire. Voilà. Et là, hop, voilà, je vais poser la petite chose comme ça. Alors là, ce qu'il faudrait presque que je fasse, qu'est-ce que je vais avoir comme pince? Là, par contre, des pinces comme ça, j'ai pas forcément de pinces qui vont s'adapter à ça. Ça va pas être assez large. Allons, j'arrive pas à les attraper. En même temps, je sais pas trop lesquels j'ai utilisé. Parce que ça, Kutchi. Alors, à tenir. Forcément ça commence à prendre, c'est bon. Voilà, donc là, même si c'est pas droit derrière, c'est enfin pour moi c'est pas grave parce que ça rend la chose un petit peu moins parfaite. Puis là on est vraiment sur du fait maison. Alors ici, allez, j'appuie encore un petit peu. Au pire, ce que je ferai tout à l'heure, c'est que je pourrais peut-être ajouter des petits points de colle chaude au pire, mais ça devrait aller globalement. Alors là, au niveau de la hauteur, j'ai peut-être un petit peu trop de hauteur, j'aurais peut-être dû réduire un tout petit peu ici. Je vais laisser ça comme ça pour l'instant. Je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et je ferai des réajustements. Alors par contre, je suis en train de me dire que tout à l'heure, avant de poser mon livret, vous voyez, j'ai oublié. Non, ça ira. Je pourrais quand même poser mon œillet là. Il va falloir que ça tienne hein, quand même. Hein. Ah, ça, c'est le seul problème de la colle néoprène, c'est que ça va être beaucoup, beaucoup plus long à coller, quoi, en fait. Hein. Mais ça, c'est normal. Hein. C'est pas du collage instantané, c'est du collage, on va dire, sûr dans le temps. Mais le temps que ça prenne, c'est toujours un peu plus délicat. Il aurait fallu que je trouve des pinces ou alors l'appuyer sur quelque chose pendant un petit bout de temps. L'appuyer sur quelque chose. Mais là, je regarde. Hein. Non, non, ça... Ça a l'air de tenir. Voilà, ici. Là, sur le bord, je pense que je vais rajouter encore quelque chose. Alors, ce qui serait peut-être intelligent... Oh la vache, j'ai des crampes dans les... Pas des crampes, des douleurs dans les pieds, sur le pied. C'est assez bizarre, je pense que c'est du rhumatisme. Bon, bref. Ici, ouais, je pense que je vais rajouter des petites choses. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je sorte aussi. Ce sont mes coquillages. Hop. La boîte à coquillages et aussi le sable. Parce que je voudrais faire aussi quelque chose en... Avec du sable, faut pas que je me rate. Alors là, j'avais le sable que m'avait ramené une abonnée.
de Saint-Barth. Est-ce que j'en aurai assez? Ça, c'est une bonne question. Parce que là, ce que je voudrais faire ici... Alors, on va attaquer, hein, de toute façon, il n'y a pas d'ordre, hein, dans la déco. Ici, j'ai pris un petit cadre en bois. J'ai juste posé dessus un petit peu de Distress Ink. Et là, dans l'absolu, ce que je voudrais faire, c'est voilà, coller cette petite étiquette ici. Et au mieux, ce qui aurait été vraiment sympa, ça aurait été de faire une petite poche à l'intérieur pour glisser un petit peu de sable et le caler ici. Voilà. C'est juste que l'opération va être un peu compliquée. Mais ça se tente. Alors, ça se tente et j'ai presque envie de regarder dans les petites pochettes là que j'ai rangées très très récemment. Je suis pas loin, je suis de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas. Je suis là. Alors, sur cette pochette plastique, est-ce qu'elle serait pas... Ah, elle serait presque un tout petit peu trop grande. Un tout petit peu trop grande. Alors. Voilà, j'essaie juste de voir. Ici. Alors. Alors, ouais, je réfléchis, hein. Bien entendu, je réfléchis. Alors, ici, là, si je la pose comme ça, il me faut là mon cadre. Alors, mon cadre. Déjà, il faut que je prenne ma mesure ici, là. Voilà, et ici, oh, je vais y arriver, tout petit peu en dessous, que je coupe un tout petit peu en dessous. Là, voilà, j'ai fait ma marge ici. Et là, je vais couper un tout petit peu en dessous. Tout petit peu en dessous. Voilà. Ma marque est là. Donc là. Alors, ici. Voilà. Ça, c'est bon. Et il faut donc que ma petite pochette, fasse cette taille-là. Un tout petit peu, voire un tout petit peu plus grand. Alors, dans ce sens-là, est-ce que ça passe ? Ouais, ça passe pile. Hein. La pochette fait exactement la bonne taille. Donc là, si je me cale comme ça. Donc voilà. Bon, là, j'ai, on va dire, entre guillemets, de la chance parce que j'ai une petite pochette dans laquelle j'avais des tampons transparents qui matchent bien avec la taille de mon cadre. Donc là, ce que je vais faire, je vais remplir de sable. Voilà, donc le sable de Saint-Barth. Alors, voilà, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Et derrière, ouais, j'en ai mis un peu trop. Là, je vais découper. Voilà, j'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Alors peut-être que l'idéal, ce serait peut-être de placer même carrément mon étiquette dedans ou derrière. Non, je peux peut-être la coller derrière.
Voilà. J'ai peut-être limite un peu trop de sable. Oh! C'est un peu loin, non? Voilà, ici. Alors, j'en ai peut-être un tout petit peu trop mis. Je vais en retirer encore un tout petit peu. Oh, ben non, mais pas trop, Agnès. Oh! Il n'y a pas de poids de mesure avec toi. Hein. Je vous jure. Bon, attendez, c'est peut-être suffisant. Ouais, cela dit, non. C'était bien. C'était bien, c'était bien. Pour rigoler. Enfin, pour rigoler. Je vais peut-être essayer de caler une petite breloque à l'intérieur. Parce que je... Voilà, une petite... Alors, est-ce qu'elle va se voir? Parce que si ça ne se voit pas, c'est pas la peine. Est-ce qu'elle va se voir dans le sable? Ouais, elle va se voir dans le sable. Bon, après, j'ai une raie. Non, mais le poisson... Ah! Faut que j'en enlève un petit peu pour que le poisson se voit. Je m'en doutais. Mais je m'en doutais. Voilà. Allez, zou, retourne. Voilà, le petit poisson dedans. Hop. Flûte. Voilà, le petit poisson dedans. Et puis là, ici, comme j'ai ma soudure, je vais venir couper juste à la soudure. Alors la soudure, si je ne l'avais pas eue, je l'aurais fait avec une fuse, hein, de toute façon. Avec la fuse. Mais bon, là, en l'occurrence, je ne vais pas avoir besoin. Vu que... Voilà, donc ça, je vais le caler dessus. Là, ce que je vais faire, je vais coller le bas de mon étiquette. Avec... Alors, comme ça, je prends bien mes mesures. Alors, ça, je vais le descendre. Et ça, il me faut bien mon étiquette comme ça. Donc, que ça ne dépasse pas. Donc, OK. Donc là, je vais ici caler un tout petit morceau de rouleau double face. Donc, je vais prendre le rouge. Donc, le rouge, j'ai bien compris. Le rouge est fort. Le bleu est ultra fort. Merci pour tous vos conseils. Enfin, vos retours, en tout cas. J'ai posé une question, j'ai eu toutes les réponses que je voulais. Vous êtes formidable, formidable. Merci, merci, merci. Allez. Donc là, vous l'avez compris, hein, ça va être que de la petite bricole comme ça, du petit embellissement de ci, de ça, un medley de tout. Alors ça, est-ce que ça va suffire? Oui, juste une... Alors... Mais je ne pensais pas réaliser la couverture aussi rapidement. Donc, c'est chouette. C'est chouette, chouette, chouette. Parce que je pensais y passer un temps fou. Et mine de rien, ça s'est bien goupillé. Je n'ai pas été trop embêtée, ni avec la machine à coudre, ni avec... Voilà. Je n'ai pas encore fait ma boulette. Peut-être pas tarder. Voilà, donc ici, je vais coller... dessous, donc là je vais peut-être mettre juste un tout petit peu, un petit coin de vraiment une petite pâte de double face, mais vraiment hyper léger sur le bord, vraiment sur le bord, même un petit peu à mordre à l'extérieur. Voilà, une lichette. Hop. Voilà, pareil de l'autre côté. C'est pour vraiment avoir une petite prise. Hop. Parce que de toute façon, après, moi, je vais aller le fixer sur ma couverture. Donc, j'ai pas mis mon pistolet en route.
Voilà. Et puis, bah, peut-être en bas également, ici, pour le tenir. Ouais, une en bas également. Ouh, j'ai ouvert la fenêtre, mais il fait limite chaud. Hein. Quand je pense que le week-end dernier, il faisait 45 degrés. Et là, on a un petit 18, pas plus. Hein. Pas plus, pas plus. Oh, moi, j'aime bien. Au moins, on n'est pas à crever de chaud. Alors, ici. Alors, tac. Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Allez, on fixe tout ça. Que je centre bien mes petites affaires, c'est bon. Voilà. Donc là, je vais couper ici, derrière, avec mon tout petit ciseau, la chose. Donc là, je vais me tenir, je vais me faire une petite marge. Voilà. Comme ça. Voilà. Et là, je vais faire un petit rebord pour fermer ma pochette. Tout simplement. Ça. Voilà. Et là. Je referme ma sache. Voilà. Et ici. Oui, mon poisson. On arrête. Je voudrais le voir. Voilà. Voilà. Hop. Je secoue. Je vais bien finir par l'avoir. J'aurais peut-être pu le fixer. J'aurais peut-être pu fixer mon arête. Ça aurait peut-être pas été bête. De manière à ce qu'on la voit tout le temps. Voilà. Bon, là, on l'aperçoit. Hein. On l'aperçoit. Ok, et là maintenant, je vais fixer voilà, mon cadre par-dessus, tout simplement. Donc par contre, le cadre, ça, j'utilise la colle chaude, mais je ne l'ai pas... je suis bête, mais je suis bête. Mais qu'est-ce que j'y suis bête? Bon, par contre, ça, c'est bon, ça a collé. Hein. Donc j'ai fait des petites touches de bleu, parce que comme à l'intérieur, c'est bleu, bon, malheureusement, je ne vais pas avoir le bleu comme ici. Hein, ça, j'ai pas en stock. Là, on... Non, je n'ai pas. Hein. Je ne vais pas l'inventer. Donc, je vais faire avec eh ben, ce que j'ai sous la main. Tout simplement. Là, je vais remettre peut-être un truc. Allez, hop. Je fixe ça. Là, j'y vais généreusement. Hein. Voilà. Hop. Que je le colle à l'endroit. Je vais le mettre à peu près ici. Et voilà. Ok, bon, alors, une première de poser. Alors ici, il y a quand même quelque chose que je me demande, c'est ici, tous ces bords-là, je pense que je vais juste passer, je vais faire un mélange des deux bleus, enfin des deux bleus, de mon bleu et de ma vintage,
là, voilà, histoire juste, voilà, d'apporter, hop, une petite coloration. Voilà, pas grand chose, vraiment un tout petit peu. Voilà, je vais faire un mélange avec la vintage et le bleu. Voilà. Je vais remettre. Sur l'intérieur également. Voilà. Voilà qui me plaît mieux. Alors, ensuite, donc là, je vais avoir quelques coquillages. Ça, ça ira plus dans le... Zut, dans le... Dans le bijou d'album. Voilà, ici, elle, je vais lui apporter... Voilà, des petites touches de bleu également. Ici, je vais caler une petite étoile jaune. Alors, une ou deux. Une de chaque côté. Une de chaque côté. Alors, ici, je rezoome un tout petit peu. Donc là, l'étoile de mer, on va la caler ici. Alors, hop. Pardon, parce que j'avais fait cette petite étiquette là. J'avais envie de la mettre ici. Voilà. Juste ici. Et je vais la faire tenir avec. Alors, me demandez pas pourquoi je la mets. C'est parce que juste envie, j'avais envie de faire un rappel de bleu. Donc voilà. Et je vais même pas la coller. Je vais juste la laisser. Ça, par contre, ça va me gêner. Que le truc il est pas droit. Non. Allez, hop, ça je le vire. Voilà. Voilà. Et elle, je la cale ici. Hop. Hey, coucou Piot, vous allez voir dans 2 minutes il va me réclamer son Sheba. Je vous le donne en 1000. Voilà, et puis là je vais caler les petites étoiles de mer également ici. Voilà, à déborder un petit peu, une ici et une là. Voilà. Ok. Alors, pipapi, pipapu. Alors, ici. Donc, j'ai bien des papillons. Oui, bien sûr. Un poisson. Alors, j'ai des petits poissons ici. Les petits poissons. Alors, oui. Voilà, en termes de poisson, en termes ici de fermeture, j'avais envie de d'incorporer un bouton. Voilà, c'est ça, un bouton, mais j'en ai pas évidemment sur le thème de la mer, hein, purement et simplement. Par contre, j'ai une encre marine. Mais une encre marine, elle n'est pas assez grosse. Alors par contre, ce que je peux essayer de bricoler, qui serait peut-être pas vilain, on va dire, c'est de coller un gros bouton
Voilà, un gros bouton comme ça, et par-dessus coller l'encre marine ou un poisson. Voilà, mais en tout cas, ce qu'il me faut, ça c'est trop gros. Ce qu'il me faut, c'est ça aurait été bien d'avoir un truc bleu, un bouton bleu dans le genre, mais là, un gros bouton bleu, c'est peut-être pas gagné. Enfin, surtout un bouton bleu, ouais, non. Ça va être dans les tons un peu gris, donc je vais avoir du noir. Là, j'ai du marron. Peut-être que le marron irait bien. Voilà, avec une encre dessus. Avec une encre dessus. Alors, l'encre marine. Ah oui, mais là, j'ai le... Ça va m'embêter, ça. Sinon, j'avais juste celui-ci. Mais par contre, ça, ça va me gêner, là. Ça, ça va me gêner. Et ça, je ne vais pas pouvoir le dégommer. Parce que là, le bouton d'encre marine aurait peut-être été sympa. Dans ces cas-là, il faut que je le couse. Et si je peux le coudre, hein, je peux. Je peux le coudre. Mais là, il manque quelque chose. Hein. Il manque du coup quelque chose. Il va falloir que j'adapte la chose en fonction. Alors ici, est-ce que ça rentrerait? Là, avec le poisson. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai pu après le... Non, non, non. J'avais essayé de caler le poisson, voilà, pour faire... Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, j'ai plus la... J'ai plus assez de marge pour venir refermer, pour apporter une cordelette. Je ne sais pas si je suis claire. Hop. Voilà, parce qu'on aurait pu faire ça comme ça. Et ensuite, je vais avoir une cordelette qui va venir fermer. Et puis après, ça fait un peu trop chargé, je trouve. Ça fait un peu trop chargé. Alors peut-être que le bouton... Mais le bouton argent, ça me choque un peu. Le bouton argent me choque un peu. Bon, je vais le laisser de côté. On y pensera un tout petit peu plus tard. Le principal, c'est de, bah, d'y réfléchir. D'y réfléchir et puis on avise après. Alors ici, là par contre, ce qui serait intéressant, c'est d'essayer de faire un truc aussi. Alors, on va peut-être pas mettre que des étoiles de mer, hein, parce que bon, voilà. Ce qui serait sympa. Alors, qu'est-ce qui pourrait être sympa pour mettre ici? Ah, ça, des petits trucs comme ça aussi. Ah, j'aurais pu mettre... ouais, autour du cadre, je pourrais peut-être venir mettre quand même un petit peu de... Un petit peu de coquillage. Je peux peut-être en mettre ici, ouais, dans le bord. Petite micro palourde. Non, ça, c'est des, pas des palourdes, c'est des petites coquilles. Ah, zut, je l'ai dit tout à l'heure. Et ça fait longtemps. Je cherche, hein. Je cherche ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est fin. C'est quand même possible de ne pas s'en rappeler, hein. Vanille, île de la Réunion. Ça, c'est une petite pancarte qu'on m'avait ramenée. On m'avait ramené de la vanille. J'avais gardé ça.
que je veux, c'est garder la cohérence de couleur. Je vais garder ma cohérence de couleur et je ne veux pas trop mettre de coquillage blanc de chez blanc, quoi. Comprenez-vous? Alors, oh! Alors. Ah zut, des pétoncles. Oh. J'ai eu du mal à la coucher encore celle-ci, tiens. Ouh, faut que je ferme. Voilà, ça c'est trois coquillages qui se ressemblent. Il y a de l'eau qui va tomber là. Je le sens. Ah, j'ai la fraîcheur qui me tombe sur les pattes. Hein? Piot? Alors là, j'ai l'impression que ça fait un peu chargé. Attends, mais il faut que je regarde dans le retour caméra parce que quelquefois ça m'aide. Ça m'aide un peu dans le retour caméra. Ça m'aide un peu. Ah, il est presque bleu celui-ci. Il est rigolo celui-là. Il est presque bleu. C'est ça qui est assez intéressant. Ou alors avec, voilà, comme ça. Et là, oh, je ne sais pas. Ah. Bon, écoutez, on verra plus tard. En tout cas, on a tout ça à bricoler. Voilà. Et là, ici, de toute façon, on va caler notre, comment dire, le l'œillet pour réaliser le petit bijou d'album que je vais de toute façon faire avec des petites breloques argentées. Donc, je pense qu'à partir du moment où j'aurai fait mon bijou d'album avec les petites choses argentées, ça me choquera moins parce que j'aurai un rappel ici. Ici, j'ai un peu de mal. Là, j'avoue que... alors, soit je rajoute peut-être juste une corde. Une petite corde. Ça pourrait peut-être faire l'affaire. Mais celle-ci, elle va être un peu trop grosse. Je pense qu'elle va être un peu trop grosse. Ah, pas tant que ça. Ah non, ça pourrait être sympa. Alors, ça, ou alors, est-ce que je mets une petite dentelle, finalement? Est-ce que la dentelle posée dessus choquera moins? Est-ce que si je pose un petit peu de... Ah ben oui, c'est ça, en fait. Ah ben, cherchez pas, docteur. On a trouvé. Ah ben oui. Là, ici, avec la petite dentelle, ça va déjà beaucoup mieux. C'est vachement plus sympa. Alors, est-ce que si je fais la dentelle un tout petit peu plus bleutée, on peut peut-être essayer de faire un truc. Ah ouais, ça peut être sympa, ça, par contre. Ouais. Comme quoi, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir, de penser. Allez, on va attaquer là-dessus. On va fixer la dentelle dessus. Donc ça, la dentelle, je pense que je vais la coller avec, avec du double face. Double face ou de la colle textile, hein. Moi, je vais en avoir plein les doigts, mais j'assume, je prends le risque. Alors, on y va. On attaque. On va poser la colle. Alors, je vais essayer de me caler comme ça. Je vais utiliser ma pub. Sinon, là, ça va être... Et puis, on va prendre la colle textile. Je pense que ce sera le plus pratique, hein. Alors... Je vais prendre ma longueur. Voilà. Je vais prendre ma longueur. Ici, je tire là. Ok. Je revérifie avant. C'est bon. Alors, ça, c'est l'envers. Et non, pardon, j'ai oublié. Donc,
Je vais la poser ici comme ça. Donc, elle va venir juste comme ça. Hein. Voilà, ici et là. Donc, il faut que je me mette ici à peu près pour être au centre. Et là, ok. Allez, ouhou, là par contre, ça va être une... Ça va pas être si évident que ça, à mon avis. À poser. Ah, j'ai pris le tube qui merdouille, je pense. Je crois que j'ai pas pris le bon, on va dire. Ouais. C'est un tube sur deux textiles, c'est bon. Ça doit être elle, la bonne. J'espère. Là, je vais en passer bien ici. Voilà. Et puis là, au doigt. Voilà. Il ne faut pas que j'aille trop, trop bas. Ici, pareil. Voilà. Ok, et puis là, alors est-ce que c'est... Oui, tiens, super. Allez, hop. On va le poser juste comme ça. Alors là. Bon, le blanc de la colle va partir, hein. Pas de panique, hein. Pas de panique. Bon, ici, il va falloir que je régularise un petit peu. Voilà. Donc là, je vais laisser vraiment poser comme ça. Je vais remettre un petit coup là. Je vais m'en mettre sur le doigt. Tiens, il y a une lichette là. Voilà, peut-être un tout petit peu ici. Voilà, là, on va attendre que ça sèche et on reviendra après ici pour les retouches. Là, je vais juste couper le petit surplus. Oh, oh, oh. Voilà, et ici également. Ok. Ah, je pense que ça va être ça peut être plus sympa avec avec cette petite bordure. Voilà, ça amène un petit plus, mais je pense qu'il était nécessaire. Ça ne charge pas trop parce que bah, la dentelle, hein, ça, voilà, ça reste quand même super discret. Et puis ça me plaît bien. Mmh, on avance. C'est cool. Alors, on avance, on est à 43 minutes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais interrompre la deuxième partie ici. Voilà. Et on attaquera le reste. Alors, pour ma part, je pense que je vais attaquer encore ce soir. Donc, grosso modo, je vais avoir fait le junk en une journée. Même pas un après-midi. Donc, voilà. Et puis, mon petit sable qui bouge avec ma petite arête ici. Franchement, voilà, ma petite beach. Tac. Un petit morceau qui résiste. Voilà, c'est sans prétention. C'est peut-être pour voilà, pour les yeux de certains, un peu ridicule. Mais moi, le principal, c'est que ça me plaise. C'est que le résultat que je voulais obtenir, voilà, commence vraiment, vraiment, vraiment à prendre forme. Donc, que vous dire, mis à part que, bah, ma foi, je suis contente. Allez, je vous fais des gros gros bisous et puis prenez bien soin de vous. À tout bientôt pour la troisième partie. Ciao ciao.